Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Legend of Legaia. On se retrouve pour plein d'objets à récupérer. Notre retour au château de Drake fera qu'on pourra récupérer plein de trucs. Alors par contre, attention, je vais faire le château de Drake, mais je vais également vous montrer un nouveau petit chemin vers la brume. Vous voyez que là, il y en a deux supplémentaires et ces deux-là vont nous permettre de choper deux objets. Donc là, très très important, ce sera deux objets à ne surtout pas oublier parce que vous ne pourrez plus les récupérer après. Soyez vigilants, très vigilants. Donc voilà, c'est parti. Alors, je vais mettre le jeu, encore une fois, en accéléré parce que vous allez voir qu'on ne peut pas. Là, il va y avoir pas mal de dialogues et je n'aimerais pas vous faire supporter tout ça. Donc on va essayer de faire ça le plus vite possible. Alors, il y a un premier objet que directement. Le roi de Drake va nous donner, c'est la clé eau, donc qui va nous permettre de baisser le niveau d'eau en fait, et de pouvoir passer la rivière pour pouvoir accéder au monastère de Byron. Donc ça c'est l'étape suivante vers la suite de l'histoire. Donc là regardez, vous chopez votre premier objet, la clé eau. À la fin de cette vidéo, vous serez à 12,69% des objets. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ça avance bien, ça avance bien, ça avance très très bien. Donc je suis plutôt content de réussir à vous montrer tout ça. Plutôt clairement. Donc là, regardez, on va se diriger vers la salle où se trouvait le roi de Drake avant. Et vous vous souveniez, il y avait un coffre par ici, là. Sauf que maintenant, il n'y a plus de cage, il n'y a plus de coffre, il n'y a plus rien. Donc là, vous vous dirigez vers cette sorte de petite fenêtre, je ne sais pas ce que c'est. Vous faites croix et vous chopez la carte platine. Donc ça, c'est un des objets, pareil, très dur à trouver parce que on va pas, enfin, la plupart du temps, on ne se tape pas la fouille de ces petits éléments de décor. Mais comme je vous ai dit, on peut en trouver, donc faites attention. Donc vous avez une petite salle de sauvegarde et le moyen de vous reposer ici gratuitement. Donc c'est très très utile. Voilà, je vous conseille de le faire. Et ensuite, on va sortir d'ici et on va descendre deux étages supplémentaires. Hop. Donc là, on descend. Voilà, et vous redescendez un étage et ensuite vous allez à gauche. Paf. Là, vous avez un objet à choper juste ici. Donc il s'agit normalement d'une feuille guérison supplémentaire. Voilà, ça c'est toujours très utile. Vous redescendez un étage et là, on va se diriger dans ces salles où vous vous rappelez, il y avait plein d'humains possédés par des Serrous. Là, vous avez une plante guérison supplémentaire. Donc vous la chopez, ça vous fera toujours ça en plus. Et on va aller dans l'autre pièce et là pareil vous avez un autre coffre avec dedans l'eau rapidité. Voilà, ça c'est super, on s'en plaindra pas. Hop, donc ensuite vous allez descendre et là c'est là que ça devient compliqué. Là pareil il y a des objets qu'il ne faut surtout pas manquer. Regardez-moi ça. Donc alors, la Noa, vu qu'elle a tout le temps vécu dans une grotte, elle commence à complètement... elle est hallucinée par tout ce qu'il y a, tous les gens, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire très attention. Donc là, vous lui mettez bien sûr, ils le feront volontiers. Donc elle y va. Et ici, vous lui parlez. Donc, Van regarde ça, c'est super. Et là, regardez, vraiment, si vous répondez mal, vous ne choperez pas l'objet. Et c'est absolument hallucinant, c'est super punitif. Alors je ne sais pas si ça compte dans le pourcentage, mais moi, je préfère vous dire que oui, parce qu'on... On ne peut pas trop savoir quel objet compte et quel objet ne compte pas. Mais là, justement, le marchand dit, hey, tu sais, enfin, pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? Là, elle nous demande, Noah, qu'est-ce que c'est que l'argent? Et là, c'est à vous de répondre. Ça sert à acheter des choses, tu en gagnes en tuant des monstres, je ne sais pas, désolé. Et là, il faut répondre la dernière réponse, je ne sais pas, désolé. Tout simplement parce que le marchand va vous offrir, regardez, voilà ce que je te propose, je te donne la côte lutte gratuitement. Et là, vous chopez la côte lutte. Et ça vous fait un objet supplémentaire. C'est absolument hallucinant, moi, je trouve. Donc voilà, il faut être très très prudent parce que cet objet-là est très facile à louper. Et moi, personnellement, dans ma partie, si j'avais fait le jeu comme ça, c'est pas le truc que j'aurais répondu. Donc voilà, je trouve ça hallucinant. Hop. Donc ensuite, vous lui parlez une deuxième fois. Et là, elle va vous faire un petit quiz. Regardez. Je vais tester tes connaissances, quel objet permet de récupérer le plus de PS. Là, pareil, en fonction de vos réponses, vous allez choper tel ou tel objet. Si vous avez 3 bonnes réponses, vous chopez 10 champignons guérisseurs. Si vous répondez avec 2 bonnes réponses, vous en aurez que 5. Et si vous répondez qu'une seule bonne réponse, vous aurez une eau de sagesse. Et sinon, je crois que c'est tout. Si vous mettez aucune bonne réponse, je crois que vous n'aurez rien ou vous aurez un autre truc. Donc là, c'est la baie guérison, la bonne réponse. Ensuite, que permet de faire la porte lumière s'échapper du donjon? Donc ça, c'est assez facile.
Et la dernière question, comment s'appelle ce marchand, sachant que vous lui avez jamais parlé? Et il s'appelle Watts, tout simplement parce que Mace et les âmes étaient dessous, c'est que des personnages, on va dire, presque principaux. Donc vous mettez Watts, et du coup, vous chopez vos 10 champignons guérison. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, ça vous fait ça en plus. Hop! Donc ensuite, vous allez lui reparler, elle va vous parler de l'auberge, etc. Vous pouvez lui répondre ce que vous voulez, ça changera strictement rien. Donc maintenant, vous pouvez vous en aller. Alors n'hésitez pas à acheter des équipements quand même, parce que vous avez chopé la côte lutte, mais vous avez plein d'autres trucs pour notre cher Noah. Donc ici, par exemple, la pince gardien qui vous permet d'augmenter un petit peu son attaque. Et vous avez ici la côte lutte, donc que vous n'avez pas acheté, parce qu'elle coûte quand même 1100 gold, donc ça fait du bien de ne pas l'acheter. Et vous avez les electric shoes. Donc n'hésitez pas à les acheter aussi. Donc voilà mes amis. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. Vous allez ensuite à l'écluse, donc juste à droite, vous mettez votre clé haut que vous avez chopé avec le roi, et vous voyez que vous avez un coffre qui est totalement dans l'eau depuis sûrement pas mal de temps, bah, au moins depuis le début du jeu, donc c'est-à-dire depuis au moins 5h51, et dedans un livre du vent, toujours en l'état, sacré coffre. Donc ensuite, vous avancez et là, regardez, je vous parlais justement des chemins de brume à ne surtout pas manquer. Cet objet, vous pouvez le louper tellement facilement. Donc soyez très très vigilant quand vous allez à cet endroit-là. Il faut surtout récupérer le coffre qui est à gauche. C'est vraiment, c'est vital. Donc là, hop, je passe les dialogues que vous verrez dans ma vidéo d'histoire, hein, je les montre aussi, pas de problème. Hop, voilà, le dialogue se termine, et là vous chopez le phénix. Mais ce n'est pas fini, avant d'arriver au monastère de Byron, vous avez encore, en longeant à droite, je vais sûrement me taper un combat, je m'en excuse, on va terminer ça rapidement, deux autruches. Oh, les belles autruches. On va manger de l'autruche ce soir. Hop, vous les éclatez, et vous allez choper une eau de vie. Donc tout simplement, un tout petit peu plus loin, pareil, sur le chemin. Faites attention parce que celui-ci est assez. Il me semble qu'on ne le voit pas trop. Vous voyez, donc vous n'avez pas de dialogue, donc vous pouvez repartir directement sans rien voir. Mais par contre, en re-rentrant, si vous allez un petit peu vers la droite, hop, vous avez l'eau vie. Voilà, mes amis, vous avez chopé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objets encore. Et vous êtes à 12,69% de ce magnifique jeu Legend of Legaia. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Vous n'avez plus qu'à vous diriger un tout petit peu plus à l'est. Vous le voyez avec le monastère de Byron qui est le sort de barrage ici. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Vous avez des questions, j'ai oublié quelque chose. Vous m'en faites part par commentaire, ce sera un grand plaisir. Je vous remercie de prendre le temps de regarder toutes ces vidéos. J'espère vraiment qu'elles vous plaisent. Moi, comme je vous l'ai dit, je prends grand plaisir à faire ce walk, il est terrible. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo, un petit peu plus de Legend of Legaia sur OmniWalk. Allez, salut! À tout de suite.